Salut à tous, c'est André. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des erreurs les plus courantes chez les débutants. Alors, vous le voyez, on est chez moi. Alors, on est avec une petite particularité aujourd'hui. C'est que, je ne sais pas si vous voyez, mais là, en face de chez moi, il y a un immeuble dans lequel ils font des travaux. Ils sont en train d'évacuer les gravats. Et en fait, c'était une ancienne école qu'ils sont en train de transformer en appartement. Et je ne sais pas si vous entendez, mais ça fait pas mal de bruit. J'ai vraiment peur que ça soit gênant pour l'enregistrement des vidéos. Enfin, moi, en tout cas, ça me dérange. Donc, on va devoir un petit peu improviser. Et se mettre dans une autre pièce. Donc, on va se balader un petit peu chez moi et on va aller tranquillement se réfugier dans la cuisine, puisque il y a trop de bruit de ce côté-là. Donc, on arrive ici dans la cuisine où je vais vous parler des erreurs blogging débutants. Donc, les erreurs qu'on rencontre le plus souvent et qui posent vraiment, vraiment pas mal de soucis. Donc, débutants, on l'est tous, à un moment ou un autre en blogging. Moi, je vis mes blogs depuis 2013, mais j'ai commencé à bloguer en 2010 et j'ai eu un certain nombre d'échecs en blogging. Et les échecs, en fait, c'est toujours des moments intéressants parce que si on arrive à dépasser la déception, il y a toujours une leçon à en retirer. Et c'est ces leçons que je vais partager avec vous pour que vous puissiez éviter de commettre les erreurs blogging que moi j'ai commis. Et pour que vous puissiez augmenter vos chances de succès. Donc, on va se plonger dans un article que j'ai écrit il y a quelques années, qui a vraiment bien bien fonctionné, et je vais décrypter avec vous les différentes erreurs blogging débutants, celles qu'on réalise le plus souvent lorsque on crée son blog. Allez, c'est parti. Vous voyez, j'ai déjà installé mon ordi, mon micro. Je vais me mettre au boulot et je vais enregistrer ça directement avec le logiciel de capture d'écran directement dans la cuisine. Allez, c'est parti. Donc on y va, c'est parti pour visualiser ces erreurs les plus courantes et surtout qu'il faut éviter lorsqu'on est blogueur débutant, lorsqu'on veut lancer son blog. On va se replonger dans cet article que j'ai écrit il y a quelques temps. Donc vous voyez, il y a quelques années, j'ai écrit un article qui a vraiment bien marché, qui expliquait les 9 erreurs à éviter à tout prix. Donc on va les on va les pas les republier, mais les reparcourir ensemble. Alors, la première erreur, c'est publier tout de suite. Alors ça, c'est un truc que les gens comprennent pas. Mais regardez, je vous montre quelques chiffres qui sont ici. En fait, Traffic Mania, j'avais déjà 500 articles avant même d'avoir publié quelque chose, avant même d'avoir publié quelque chose sur mon site. J'ai eu 300 visiteurs le jour de mon premier article, de mon premier article. En une journée, j'ai eu 300 visiteurs. Premier article, une trentaine de commentaires. Non, sur le second article, une trentaine de commentaires, etc., etc. Et même avant d'avoir écrit 10 articles, j'avais déjà plus de 1000 inscrits. Donc, j'avais déjà pu monétiser. Et en fait, c'est parce que j'ai commencé à construire ma liste d'inscrits avant de commencer à publier. Donc, la première erreur, et c'est vraiment un truc qui est contre-intuitif, mais vous devez essayer de comprendre ça, et ça va changer beaucoup de choses dans votre manière de voir le blogging, c'est que vous ne devez pas commencer à publier tout de suite. Il y a plein de gens qui se disent « Ah, je vais installer WordPress. » Je vais commencer à publier tout de suite, je vais créer mon produit, comme ça je commencerai tout de suite à faire quelques ventes. C'est complètement idiot parce que de toute façon personne ne connaît votre blog, donc personne ne lira vos articles et il y aura encore moins de monde qui va acheter quoi que ce soit. Donc il ne faut pas publier tout de suite, ce qu'il faut c'est commencer à créer un premier noyau d'inscrits. Le premier noyau d'inscrits, vous le mettez en place en vous faisant connaître et en envoyant des gens vers votre bonus. Donc en fait le premier truc à faire c'est pas de rédiger des articles, c'est de rédiger un bonus que vous allez tout simplement mettre sur une page, sur une landing page, une belle page qui donne envie aux gens de s'inscrire. Et sur cette page, vous allez envoyer des gens. Comment est-ce qu'on fait pour envoyer des gens sur cette page? En faisant par exemple des articles invités, ou en faisant un concours, ou en faisant de la publicité Facebook, ou en utilisant les réseaux sociaux d'une certaine manière pour pouvoir envoyer du monde vers cette page, construire son premier noyau d'inscrits, ce qui fait que vous aurez des lecteurs sur le premier article. C'est vraiment important parce que les gens qui se lancent d'entrée de jeu à écrire 10, 15, 20 articles, ils sont très très vite découragés parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont publié plein 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 de contenus et qu'ils ont quasiment aucun lecteur. Donc ils vont dans leur compte Google Analytics, ils se plongent dans leur compte Google Analytics et là c'est la douche froide, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de lecteur, ils se disent « Ah, le blogging de toute façon ça marche pas, c'est de l'arnaque » et ils abandonnent. Ça change tout quand on commence d'abord à avoir son premier noyau d'inscrits. Ça vous permet d'avoir des lecteurs tout de suite. Donc tout de suite, vous faites partie des blogs qui comptent. Dès vos premiers articles, vous êtes lu, vous avez des commentaires, vous avez des partages, et très très vite, vous pouvez monétiser. C'est beaucoup plus efficace d'investir votre temps de cette manière au début. La deuxième erreur, votre niche n'est pas claire et vos lecteurs n'y comprennent rien. Alors ça, c'est peut-être l'erreur la plus difficile pour les débutants, c'est peut-être la chose la plus compliquée en blogging, et c'est de définir son positionnement. J'en parle très très souvent parce que
il y a sans arrêt des erreurs. La première chose, c'est que bien évidemment, votre niche, ça doit être une niche porteuse. Il y a plein de gens qui se lancent dans des niches qui ne sont pas porteuses et qui forcément écrivent des bons articles, font ce qu'il faut pour en faire la promotion, mais comme il n'y a pas de marché, ça fonctionne pas. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'appliquer ce que j'appelle la théorie de la pizzeria. La théorie de la pizzeria, elle dit quoi? Eh bien, elle dit tout simplement que si vous deviez ouvrir un restaurant, moi, je vous conseillerais plutôt d'ouvrir un restaurant italien qu'autre chose. Même s'il y a déjà plein de restaurants italiens dans votre ville. Tout simplement parce que les gens adorent manger des pâtes et des pizzas. Donc vous avez plus de chances d'obtenir du succès en faisant les meilleures pizzas qu'en partant, je sais pas, sur un restaurant de cuisine éthiopienne. Alors c'est peut-être très bon la cuisine éthiopienne. Sauf que les gens connaissent moins, c'est moins porteur si vous voulez. Donc en blogging c'est pareil. Il vaut mieux aller sur des niches qui sont prouvées que sur des niches qui sont obscures. Et il y a un autre truc aussi qu'il faut absolument garder en tête, c'est qu'il faut clarifier votre niche. Il ne faut pas mélanger 50 000 trucs à la fois. Il y a plein de gens qui disent, ah, je veux faire un blog qui va parler de nutrition, qui va parler de style de vie, de lifestyle, qui va parler en même temps de développement personnel. Le problème, c'est que si vous faites un espèce de mélange comme ça va pas le faire. Parce que si moi je cherche des informations sur la nutrition, je vais pas comprendre pourquoi vous me parlez de développement personnel. Ou alors si je cherche des informations sur le développement personnel, je vais pas comprendre pourquoi tout d'un coup vous m'expliquez que c'est mieux de manger des fruits et des légumes. Il y a un autre truc également dans le positionnement, c'est l'angle d'attaque. C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire pour vous différencier des autres. Imaginez que vous vouliez partir dans le développement personnel. C'est super vaste. Vous pouvez parler de procrastination, vous pouvez parler d'entrepreneuriat, vous pouvez parler de rebondir après un échec, rebondir après une rupture. Enfin, il y a quantité de sujets que que vous pouvez aborder. Donc, sur quoi est-ce que vous allez commencer? Voilà, pour pas trop vous disperser, pour vraiment fidéliser une audience. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire pour vous distinguer de ceux qui sont déjà en place? Donc, le meilleur moyen, c'est de faire de l'ultra qualitatif et faire de l'ultra complet. Donc, ça, c'est très, très, très important. La troisième erreur, c'est se droguer aux trucs, aux astuces et aux hacks. Alors ça, c'est un truc aussi. Les gens comprennent pas comment marche le blogging, alors qu'en fait, c'est simple. Le blogging, c'est simple. C'est fidéliser une audience. Si vous voulez faire des ventes, ça passe forcément par la fidélisation d'une audience. Comment est-ce qu'on fait pour fidéliser une audience? Eh bien, il y a des tas de gens qui se disent, et moi je l'ai fait, cette erreur, ah, il y a des astuces. Il faut appliquer des astuces pour que ça aille plus vite. Il y a plein de blogueurs qui donnent plein 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 de petites astuces et qui disent qu'il y a des trucs magiques, des secrets, mais en fait il n'y a pas de secret. Le truc c'est que donc les gens ils vont aller tester des couleurs, tester des formules de persuasion, tester des tunnels en 4 étapes plutôt que 5. Voilà, ils vont essayer des hacks, ils vont essayer des trucs, mais c'est pas ça qui va faire que votre blog va être lu. Ce qui va faire que votre blog est lu, c'est tout simplement la qualité de vos contenus. C'est est-ce que quand moi je vais lire votre blog, est-ce que je le trouve intéressant? Est-ce que j'y apprends des choses? Est-ce qu'il y a une personnalité? C'est tout. C'est pas les petites astuces, trafic, les petites bidouilles à droite à gauche. La plupart du temps, ça marche pas. Alors bien sûr, il y a des petites astuces qui fonctionnent, mais c'est pas ça qui change un business. Ce qui change un business, fondamentalement, c'est la qualité des articles. Donc, si vous voulez avoir une audience qui est fidèle, dites-vous simplement de quoi les gens ont besoin. Si vous bloguez, je sais pas moi, sur la course à pied, vous voulez développer votre audience, essayez de faire l'article le plus complet sur la course à pied. Essayez d'expliquer aux gens comment est-ce qu'on fait pour se préparer mentalement, physiquement, donnez-leur des plannings, donnez-leur des checklists, partagez avec votre audience vos réussites et vos échecs. De cette manière, vous allez créer un lien. De cette manière, les gens vont revenir lire vos articles. Si vous faites que utiliser des hacks, des astuces et des trucs, eh bien, les gens, ils vont venir une fois, deux fois, mais après, ils vont dire, ouais, de toute façon, le contenu, il n'est pas intéressant, ils vont même pas s'inscrire, ils vont même pas revenir, et ils achèteront jamais, jamais, jamais rien. Donc, oubliez les hacks, les trucs et les astuces. Faites du bon contenu et faites-en la promotion. Okay? C'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Donc, l'erreur numéro 4, elle concerne le référencement. Et là, je sais que ça va être quelque chose qui est un petit peu polémique, parce que dès qu'on commence à aborder le sujet des référencements, il y a plein de soi-disant experts qui viennent vous expliquer que ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Alors moi, je me prétends pas être un expert en référencement, mais j'obtiens quand même quelques résultats. Si vous tapez sur Google comment faire connaître son blog, ou alors comment écrire une page à propos, ou alors comment avoir des backlinks, vous verrez que je suis en première page. Donc, j'obtiens des résultats sur des mots-clés qui sont relativement compétitifs. Alors, ce que je vais vous dire sur le SEO, c'est que le référencement, ce n'est pas une stratégie de débutant. Je reçois souvent des mails de gens qui disent, ah, il faut absolument que je travaille mon référencement. Alors que les gens, ils n'ont même pas encore créé leur bonus. N'importe quel expert SEO, s'il a un minimum d'honnêteté intellectuelle, il vous dira que c'est une stratégie qui est moyen terme.
Le SEO, ça donne pas des résultats à 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Or, quand vous, vous lancez un blog, vous voulez des résultats rapides. C'est donc pas une stratégie que vous devez mettre en avant pour démarrer votre blog. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place après, mais au début, il est beaucoup plus rentable d'investir votre temps dans des stratégies qui donnent des résultats immédiats. Typiquement, les articles invités, par exemple. Donc, vous allez plutôt publier chez d'autres pour vous faire connaître plutôt que de mettre en place une stratégie SEO qui fonctionnera pas parce que de toute façon, pour que ça marche, le SEO, une des données, c'est d'avoir des liens entrants qualitatifs. Donc en gros, vous allez avoir d'autres blogs de votre thématique qui sont reconnus par Google, qui sont appréciés dans votre thématique, qui pèsent, ou des sites internet qui pèsent, qui vont faire des liens entrants naturels. Donc pas des échanges, pas des achats, hein, pas des trucs où vous allez essayer de truquer Google. Non. Et c'est ça qui va faire que le référencement va s'améliorer. Alors en partie, il y a plein d'autres facteurs qui permettent d'améliorer le référencement, mais les liens entrants naturels, ça reste encore et toujours une des grosses bases du référencement. Donc au début, c'est impossible que vous ayez ce genre de lien. Et encore une fois, le référencement ne donne des résultats qu'au bout de 6-8 mois, minimum. Donc ne vous jetez pas la tête baissée là-dedans. Vous le ferez plus tard. Pour le moment, vous avez besoin de vous focaliser sur des stratégies qui sont plus rentables. Erreur numéro 5, publier tous les jours. Alors, vous vous souvenez ce que je vous ai dit au début de la vidéo? Déjà, commencer à publier tout de suite, c'est une ânerie, mais publier tous les jours, c'est forcément une ânerie. On est d'accord, ce qui fera que les gens liront votre blog, c'est parce que le contenu est qualitatif. Et je doute que vous soyez capable de produire du contenu de 1500 à 2000 mots tous les jours en le faisant correctement. Alors, si vous avez les moyens d'embaucher des rédacteurs, faites-le, mais vous verrez que même des rédacteurs de très haut niveau n'auront pas cette touche, cette patte que vous pouvez avoir dans votre propre thématique. Donc si c'est vous-même qui rédigez vos articles, vous serez juste incapable d'écrire 1500 à 2000 mots par jour de façon qualitative. Il vaut mieux donc écrire peu, mais promouvoir beaucoup. Il vaut mieux faire un article qui va être lu par plein de gens que 10 daubes qui vont être lus par personne parce que les gens vont venir une fois puis après ils reviendront jamais parce que c'est pas intéressant. Donc faites un très bon article une fois par semaine et passez du temps à le faire connaître. C'est ça qui fera que vous aurez du trafic et c'est ça qui fera que vous fidéliserez les gens. Je veux dire, encore une fois, il n'y a pas de secret, c'est simplement de la pure logique. Pour que je sois fidèle à votre blog, il faut tout simplement que je trouve le contenu intéressant. Erreur numéro 6, ne pas comprendre que bloguer, c'est vendre vos idées. Alors, il y a des gens qui ont déjà peur de commencer un blog, mais qui ont encore plus peur de commencer à vendre. C'est-à-dire que, alors c'est un espèce de paradoxe hein, qui est étrange, mais bah, il faut vous transformer en vendeur. Il faut vous transformer en vendeur parce que vous avez envie de vivre de votre blog, vous avez envie d'avoir un projet de vie, vous avez envie de quitter votre job. Et ben pour ça, il va falloir apprendre le marketing, il va falloir oser envoyer des emails à votre liste en leur disant j'ai un truc à vous vendre. Et réinsister en leur disant attention, c'est le dernier jour, attention, il reste plus qu'une heure. Il y a plein de gens qui sont pas confortables avec ça, mais n'empêche que il va falloir vous battre pour vos idées. Mais il faut pas avoir peur de vendre. Le symbole de l'imposteur, en fait, il tient à deux choses très simples à régler. Posez-vous simplement deux questions. Question numéro un, est-ce que votre produit il est qualitatif? S'il est qualitatif, il n'y a pas de problème à le proposer. Question numéro deux, est-ce qu'il est vendu à un juste prix? S'il est vendu à un juste prix, il n'y a pas de problème. Si vous proposez aux gens une solution qui est correcte, qui est valable, qui est honnête, qui est qualitative, et que le prix est correct, il n'y a pas de raison que vous ayez peur. Le problème, c'est lorsqu'on vend des produits qui sont pas bons ou lorsqu'on vend des produits qui sont trop chers. Je veux dire, vous avez le droit de vendre une formation à 2000 ou 3000 euros, c'est pas le problème. Mais si vous vendez une formation à 2000 ou 3000 euros, elle doit être vraiment ultra haut de gamme avec un accompagnement dans le temps, par exemple. Ça peut pas juste être 2 ou 3 heures de vidéo dans laquelle vous balancez quelques banalités. Okay? Donc, répondez à ces deux questions et vous n'aurez pas peur de commencer à vendre. Produits qualitatifs vendus au juste prix. Tant que vous faites ça, il n'y a pas de problème. L'erreur numéro 7, c'est être original. Alors ça, c'est un truc que les gens aussi ont du mal à comprendre et on revient un petit peu à ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la théorie de la pizzeria. Être original, c'est une ânerie. Parce qu'en fait, sur Internet, il y a des choses qui marchent et il y a des choses qui marchent pas. Et il vaut mieux être sur les choses qui marchent, si vous voulez avoir du trafic, que essayer absolument d'être complètement différent, mais finalement de n'intéresser personne. Moi, si par exemple j'avais un blog sur la guitare et que je voulais apprendre aux gens à progresser à la guitare, et si je voulais leur vendre des méthodes de guitare, eh bien, si je devais créer du contenu, sur quel genre d'article j'irais?
eh ben j'essaierai pas de faire les trucs les plus originaux possibles, j'essaierai plutôt d'être la valeur sûre. Donc je pourrais par exemple utiliser un outil comme Ahrefs. Donc là c'est ce que je vous montre dans le dans l'impression écran. Ahrefs, c'est simplement un outil qui va vous dire pour un bloc donné quels ont été les articles les plus partagés. Donc c'est vraiment un outil puissant parce que à ce moment-là, ce que vous faites, si vous êtes dans la guitare, vous allez lister 10, 20, 30 blocs de guitare anglophones, par exemple, vous allez les passer dans la moulinette Ahrefs. Et Ahrefs va vous dire, voilà, pour tous ces blogs, voilà les articles qui ont été le plus partagés. Et ça vous permet de trouver des sujets qui sont des sujets qui sont porteurs. Okay? Vous n'essayez pas d'être original, vous essayez d'être sur le sujet le plus porteur possible et d'avoir le maximum de qualité possible et de faire le maximum de promotion, de bruit autour de cet article. Et là, vous aurez du trafic. Et comme votre article sera bon, là, vous allez fidéliser votre audience. Okay? Donc, ne cherchez pas l'originalité dans les contenus, parce que le plus souvent, l'originalité, en fait, pour que ça soit réussi sur Internet, il faut avoir une grosse expérience en rédaction, il faut savoir rédiger. Ça vient pas comme ça. C'est un peu comme le jazz. Le jazz, c'est de la musique improvisée, mais les grands jazzmen, en fait, c'est des musiciens qui sont très très expérimentés et ils se lancent pas. Enfin, on ne devient pas un grand jazzman en deux temps trois mouvements. Donc, en blogging. Quand on est débutant, on part sur des sujets qui sont des sujets prouvés. Et la stratégie qui est porteuse, c'est de se dire, je vais faire le meilleur article possible sur ce sujet. Encore une fois, pour trouver des sujets porteurs, vous allez voir vos concurrents, vous les passez à la moulinette à Ahrefs et vous verrez ce qui a eu le plus de succès sur les réseaux sociaux. C'est un bon indicateur pour trouver des sujets porteurs. Erreur numéro 8, croire que bloguer est un boulot tranquille. Alors, j'adorerais vous dire que ça va vous prendre 1 heure par jour. J'adorerais vous dire que c'est les doigts de pied en éventail au bord de la piscine. La réalité, c'est que c'est peut-être vrai, mais c'est certainement pas vrai au début. Au début, vous devez créer le blog. Au début, vous devez créer votre bonus. Au début, vous devez régler les problèmes techniques. Il y a une quantité énorme de choses à faire et à apprendre qui vont vous prendre du temps. Écrire un bon article, c'est long. Écrire un bon article, c'est facilement une journée de travail. Donc, quand je vous dis d'écrire un article par semaine, vous voyez, je ne me moque pas de vous. Vous y allez, et vous allez y passer plusieurs heures chaque jour. Voilà, vous allez passer 2, 3 heures le soir sur votre article, 2 ou 3 soirs par semaine. Et ensuite, il va falloir le promouvoir. C'est ça la réalité du blogging. C'est pas, je me lève, je prends ma Ferrari, je vais faire un golf, j'envoie un email dans la salle d'attente de l'aéroport, et voilà. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire quand vous avez une grosse structure. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire quand vous avez les moyens de payer des gens. D'accord? Au début, vous n'avez pas les moyens de payer des gens, vous allez devoir faire tout seul et ça va vous prendre du temps. Okay? Et c'est pas un métier tranquille. C'est un métier qui demande beaucoup de réflexion. C'est un métier dans lequel la remise en question est permanente, ça évolue vite. Il faut se tenir au courant de ce qui se passe, il faut continuellement se former. Et on cherche tout le temps des nouvelles manières d'intéresser son audience, de présenter les choses, des nouvelles manières de vendre, des nouveaux produits à vendre. Et ça, c'est un vrai travail qui prend du temps et qui n'est pas de tout repos. L'erreur numéro 9, et celle-ci, elle est également suicidaire, c'est de penser que ça coûte zéro. Ça coûte pas zéro de lancer un blog, il vous faut un budget. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même un budget qui est limité. Quand on y pense, il vous faut un hébergement professionnel qui va vous coûter quelques euros par mois. Voilà, un bon hébergeur, ça vous coûte, voilà, ça va vous coûter, je sais pas, 15, 20 euros par mois. Il vous faut un nom de domaine qui va vous coûter quelques euros par an. Il vous faudra un autorépondeur, ça va coûter entre 20 et 30 euros par mois. Il faudra également vous former, il faudra acheter quelques formations pour ne pas perdre de temps et limiter les erreurs au maximum et suivre une vraie feuille de route, en particulier celle de créer ce premier noyau d'inscrits avant de commencer à publier. Il y a des stratégies qui permettent de le faire. Donc tout ça nécessite un budget qui, pour moi, va être aux alentours de 600-700 euros. Si vous pensez que vous allez monter un blog en mode gratuit sans dépenser le moindre euro, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que c'est un des métiers les moins chers du monde à démarrer. Si vous voulez monter un resto, voilà, il faut acheter des tables et des chaises, il faut acheter du matériel, il faut trouver un local. Vous aurez certainement besoin de faire un emprunt. Si vous voulez monter un blog, voilà, 600-700 euros, il suffit d'économiser un petit peu et puis vous pourrez mettre cet argent sur la table et commencer dans de bonnes conditions. Alors là où c'est cruel, c'est que l'échec est quand même possible. Même si vous évitez toutes ces erreurs, même si vous faites les choses bien, des fois ça marche pas. Il n'y a pas de secret ultime, il n'y a pas 100% de garantie dans l'entrepreneuriat. Il y a des entrepreneurs expérimentés qui se prennent des échecs. Vous prenez par exemple, c'est rigolo, c'est un exemple qu'on entend souvent, mais
Google, c'est une société qui est extraordinaire, qui génère énormément d'argent, qui s'est développée, qui domine le monde. Ben, n'empêche que chaque année, Google abandonne des projets parce qu'ils marchaient pas. Donc, ils y croyaient à un moment ou à un autre, ils ont mis des moyens, ils ont mis de l'investissement et ils finissent par abandonner. Par exemple, leur réseau social, je sais même plus comment ça s'appelle, Google+, je sais même plus le nom, ils l'ont fermé récemment. Les lunettes aussi, les lunettes Google, ben, on n'en entend plus parler. Donc, même si vous avez de l'expérience, même si vous mettez les moyens, même si vous faites bien les choses, vous pouvez quand même vous planter. C'est un petit peu bah, la cruauté, mais c'est valable dans tous les business. Hein. Demain, vous pouvez monter un restaurant, même si vous êtes un restaurateur qui a de la bouteille, vous pouvez quand même échouer. Le risque zéro n'existe absolument pas, et c'est aussi quelque chose que vous devez intégrer en tant qu'entrepreneur. Voilà, en tout cas, moi ce que je vous conseille de faire, c'est bah, de réécouter ces erreurs ou d'aller lire l'article. Donc, je vous remets le titre. Je vous mets le titre de cet article si vous voulez le trouver. Vous voyez, il est long, mais il est vraiment vraiment utile. Lancer un blog et avoir du trafic, les 9 erreurs idiotes à éviter à tout prix. Vous l'avez ici dans la liste des articles populaires parce qu'il a été pas mal commenté. Donc il est ici. Vous voyez là, c'est juste ici en bas de la liste. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez commis des erreurs. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'avez pas fait les choses correctement. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai échoué plusieurs fois avant de commencer à gagner ma vie sur Internet. J'ai des blogs que j'ai fermés. Je pensais que ça allait le faire. Alors, j'étais drogué aux astuces et aux hacks, comme vous cherchez la petite astuce qui allait tout changer, machin. Puis un jour, j'ai arrêté les astuces et je me dis, mais donne simplement ce que les gens veulent. Trouve un sujet qui est intéressant, essaye de faire du qualitatif, essaye de le promouvoir au maximum pour qu'un maximum de gens découvrent ton contenu. Et à partir de ce moment-là où j'ai éliminé tout le bruit et je me suis contenté de faire bah, ce qui en toute logique intéressait les gens, bah, là ça a commencé à fonctionner. Donc peut-être que vous avez fait des erreurs, c'est pas grave, elles sont rattrapables. L'erreur la plus dure à rattraper, c'est celle d'un mauvais positionnement. Ça veut dire que tout votre blog il est parti dans une mauvaise direction. Mais même là encore, je veux dire, c'est possible de rattraper les choses. Donc je voulais simplement vous encourager à passer à l'action. Je voulais également bah, vous demander si vous avez aimé cette vidéo, de la partager, de la liker. Mettez-moi un petit pouce si vous avez appris des choses. Mettez-moi également en commentaire les erreurs que vous auriez pu commettre. Voilà, moi j'ai pas eu honte à partager avec vous les erreurs que j'ai pu commettre. J'en ai commis plein, j'ai eu des blogs qui ont échoué. C'est une vraie richesse l'échec une fois qu'on arrive à le dépasser. Partagez en commentaire avec moi vos échecs, vos réussites. Et je vous rappelle également que si vous voulez avoir du trafic, vous pouvez télécharger une formation gratuite d'une heure. Il suffit de s'inscrire à la newsletter de Traffic Mania. Vous cliquez sur le lien qui est là juste en dessous et vous pourrez accéder à cette formation trafic. Elle va vous expliquer plus dans le détail cette idée de bah, concevoir sa liste d'inscrits avant de commencer à publier, comment fonctionne le trafic Internet, les choses qu'il faut faire, les choses qu'il faut surtout pas faire. Vous allez voir que ça va à l'encontre de beaucoup de mauvais conseils qu'on entend à droite et à gauche. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Traffic Mania. Ciao.